Bonjour mes chers élèves. Alors, je vous fais un petit rappel tout d'abord. Nous avons déjà vu une première leçon qui s'intitule, c'était une leçon de langue qui s'intitule Les verbes pronominaux et impersonnels. Et je vous ai déjà donné des exercices là-dessus. Ensuite, une deuxième leçon de langue qui s'intitule aussi La proposition subordonnée relative, avec des exercices que je vais vous donner par la suite. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de lecture, d'étude de texte. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans le thème passé et tradition, unité didactique numéro 12. Et la leçon s'appelle Le portefeuille de Fès. Vous trouverez le texte dans la page ou bien les pages 90 et 91. Bien. Alors, cette leçon a pour objectif répondre à des questions avec clarté et précision. Donc, vous devez répondre avec des réponses qui seront claires, bien sûr, et très précises. Ensuite, vous deviez savoir justifier les réponses à partir du texte, c'est-à-dire le relever à partir du texte. Ensuite, mon troisième objectif sera connaître les traditions des portefaix à Fès, dans la ville de Fès, et ceci est en 1500, c'est-à-dire le 6e siècle. Et bien sûr, dernier objectif, ce sera lire un texte couramment et expressivement. D'accord. Donc, voilà le texte. Il est devant vous et vous avez le livre à la maison. Vous lisez bien le texte plusieurs fois et attentivement. Voilà, c'est les pages 90 et 91. Voilà les questions. D'accord. Ensuite, voilà, donc, puisque nous avons trois premières années au groupe scolaire Bayen, donc, vous allez faire. Donc pour la première année A, vous allez faire l'exercice ou bien répondre aux questions en deux mots. Voilà, donc la question numéro 1, 2, 3 et 4 de la page 91. Et pour les premières années B et C, vous allez faire les questions 6 et 7. 7, il y a A, petit A et petit B. Voilà. Donc, ça existe dans l'excellente réputation. D'accord. Donc, n'oubliez pas, nota bene, ou bien notez bien, c'est à faire dans le cahier d'exercice avant le vendredi 28 mars, qui sera, inshallah, le jour de l'envoi de la correction. Donc, je vais vous envoyer, Inch'Allah, le vendredi, les réponses. Voilà. Bonne chance. Sur ce, je vous quitte. Prenez soin de vous et travaillez bien. Je vous fais confiance et merci. Votre professeur, Ahmed Talib.